voici ce qui risque de vous arriver lorsque vous allez arriver en Chine. Beaucoup de personnes s'hasardent à venir en aventure en Chine sans savoir exactement où elles vont et sans savoir ce qui risque de leur arriver. Je viens de vivre une expérience désastreuse avec un Chinois et dans cette vidéo, je vais vous raconter concrètement ce qui s'est passé et la leçon que vous devez tirer. Je l'ai fait exprès pour justement faire cette vidéo afin que vous compreniez le système en Chine et que vous vous méfiez lorsque vous arrivez ici. Après le jingle. Je suis Dacis Lisson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne, le e-commerce, n'est-ce pas, et les achats en Chine. Et en ce moment, je suis en Chine pour passer les commandes des clients qui m'ont fait confiance et aussi pour vous présenter plusieurs opportunités et accompagner les entrepreneurs qui ont décidé de me faire confiance. Alors, si vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique et vous souhaitez venir en Chine, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, comment vous pouvez vous comporter. Bref, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous accompagner, faire vos gros achats. Vous ne voulez pas vous faire arnaquer par les Chinois. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous donner toutes les modalités. Si vous souhaitez, si vous ne voulez pas venir en Chine et que vous souhaitez avoir une équipe de personnes qui va vous aider à passer vos commandes en Chine, vous êtes les bienvenus, vous nous contactez, vous ouvrez le dossier et nous allons vous aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui concrètement? Je suis en train d'aller à une compagnie de téléphonie mobile et je donne bien le nom en mandarin au chauffeur. Il accepte. Il me donne le prix, il multiplie le prix par 3, il me donne. Vu que j'étais pressée, j'ai accepté le deal. Et alors, j'entre dans son véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Il m'amène à l'endroit le plus proche. Pourtant, je me suis bien exprimée en mandarin en lui disant, je ne vais pas à la petite maison, n'est-ce pas, au petit kiosque qu'il y a souvent partout là. Je vais à la maison, mais il a dit, ok, j'ai accepté le deal. Et il m'a transporté. Il m'amène donc à l'endroit le plus proche, n'est-ce pas, et au petit kiosque. Et une autre compagnie de téléphonie mobile. Je lui dis non. Je ne t'ai pas demandé de m'amener dans cette compagnie-ci. Je t'ai demandé de m'amener à telle compagnie. Il dit non. Il veut me forcer à accepter que c'est cette compagnie. Je lui dis non. Heureusement que je parle le mandarin. Je lui demande donc de m'amener à une autre compagnie. Il arrive à une autre et c'est justement ce que je ne lui ai pas demandé, le kiosque. Et je lui dis, mon frère, je ne peux pas te payer le montant que tu m'as demandé là parce que tu ne m'as pas amené où je t'ai demandé. Alors, voilà le monsieur qui commence à me crier dessus. Il me donne tous les noms et tout. En fait, je n'ai pas de problème à lui donner son argent. Mais c'est la mentalité. C'est la mentalité de la personne que je n'apprécie pas. Je lui ai dit, je ne vais donc pas te donner ton argent. Je vais te donner la moitié de ton argent juste pour t'aider pour ton carburant. Mais sache que tu es malhonnête. Et c'est ce que beaucoup de personnes traversent lorsqu'elles arrivent en Chine. Il y a une dame qui m'a appelée récemment. Elle me dit, j'étais encore au Cameroun. Elle me dit, Dacis, je suis en Chine. Est-ce que tu peux me donner le contact d'un fournisseur? Est-ce que tu peux me donner l'adresse d'un marché? Est-ce que tu peux me dire, je suis à tel endroit? Je suis au Cameroun. Toi, tu es dans un endroit en Chine. Tu me demandes quelle route tu peux prendre pour aller à tel endroit. Ça ne se fait pas. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes parmi vous vous commettez. Alors, tu n'as aucune adresse. Tu ne connais personne. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu vas. Tu t'aventures à aller en Chine. Qu'est-ce que tu vas y faire? Vous souffrez parce que vous avez peur de... Ou bien, vous ne voulez pas dépenser pour avoir l'expérience des experts qui travaillent déjà dans ce domaine-là. S'il vous plaît, quand vous arrivez en Chine, premièrement, vous devez avoir... C'est vrai, ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce que je recommande. Vous devez avoir une base du mandarin. Les petits mots, vous devez savoir au moins les prononcer. Les petites choses, vous devez savoir au moins. Et il y a quelqu'un, un Chinois à côté qui m'a dit, Han Li Hai, pour dire qu'elle est très intelligente, très sage. Parce que j'étais en train de dire au chauffeur là des mots assez crus pour qu'il comprenne que je ne suis pas sa camarade et que je comprends tout ce qu'il est en train de dire depuis. Et il avait honte. Il avait honte. Il était obligé de démarrer sa voiture et partir. Donc, quand vous venez en Chine, premièrement,
ayez une base du mandarin. Deuxièmement, sachez où vous allez. Vous devez exactement avoir les adresses. Vous devez exactement savoir où vous allez. Et vous devez même avoir l'image de l'endroit où vous allez. Pour que, au cas où le chauffeur ne vous amène pas où vous allez, que vous soyez capable de lui dire que ce n'est pas où je suis en train d'aller. Amène-moi exactement où je veux aller. Troisièmement, vous devez vous rassurer que vous avez le cash. Parce que beaucoup arrivent, ils se rendent compte qu'on paye avec le téléphone, par exemple, et ils ne savent pas pourquoi et comment on paye avec le téléphone, et ils se retrouvent dans des problèmes. J'ai dû aider une femme comme ça un jour en payant directement avec mon Alipay, parce qu'elle avait le dollar, et le chauffeur ne prend pas le dollar, le chauffeur prend le yuan. Et elle ne savait pas comment s'y prendre, j'étais obligée de payer pour elle avec mon téléphone. Et je lui ai dit, bon, ça va, il faut chercher à changer ton dollar en renminbi pour pouvoir te débrouiller en Chine. Alors, ce taxi qui s'en va m'a finalement amené où je vais. Et voilà, vous voyez, je suis finalement où je vais et je suis contente. Maintenant, toi qui es en Afrique, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu veux venir en Chine, mais tu ne sais pas, vous voyez, je suis en Chine, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quelle personne contacter et tout ça. Je prépare, n'est-ce pas, le troisième tour, bien la troisième session, le troisième voyage en Chine avec les entrepreneurs qui veulent venir découvrir la Chine, qui veulent venir passer leur commande. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui veulent venir en Chine passer leur commande, tu nous contactes et nous allons te donner toutes les modalités. Le prochain voyage, ce sera pour la foire de Canton en octobre 2024. Donc, tu as environ 6 mois pour te préparer. Tu nous contactes, on te donne toutes les modalités, tu te prépares et nous allons venir en Chine. Je vais te montrer tous les couloirs dans tous les secteurs d'activité dont tu as besoin ou bien où tu as besoin d'investir et tout. Je vais t'amener rencontrer les fournisseurs, je vais t'amener rencontrer les transitaires, je vais te montrer comment on fait pour passer les deals, je vais te montrer comment on fait, n'est-ce pas, pour obtenir des prix beaucoup plus bas que ceux qu'on obtient sur 1688 ou Taobao ou bien Alibaba. Je vais te montrer toutes les stratégies que tu fais, que tu utilises pour justement prendre la confiance des entrepreneurs. Donc, tu peux nous contacter et nous allons te donner toutes les informations. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Alors, j'ai fini de faire ce que je voulais faire. Et là, maintenant, je suis en train d'aller à la maison Huawei parce que je voudrais arranger mon laptop. Une fois de plus, pourquoi je parviens à faire ces choses aussi facilement sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit? Premièrement, parce que je parle mandarin. Deuxièmement, parce que je parle très bien anglais. Troisièmement, parce que j'ai de l'expérience. Je sais déjà comment la Chine fonctionne. Je sais déjà comment marcher pour éviter de m'égarer, pour éviter de me faire arnaquer, pour éviter que les gens, n'est-ce pas, m'amènent n'importe où, n'importe comment. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez un taxi, même si le lieu où vous allez est très proche, le chauffeur est très rusé pour savoir où est-ce qu'il peut passer pour allonger ou bien pour allonger le chemin afin de vous prendre plus d'argent. Donc les amis, si vous souhaitez venir en Chine, stay tuned. Be careful, donc vous devez faire très attention. Et surtout, je vous invite à visiter la Chine. Si vous avez besoin de moi, je suis là, vous me contactez et je vais vous aider. Ciao.